Oop! Hey, salut! Cette vidéo est déjà terminée au moment où je te parle. Mais tu vas comprendre pourquoi. J'ai perdu ma cam. Et là, donc, du coup, je suis sur la fin de vidéo et je fais l'intro maintenant. Hey, salut! Je t'emmène avec moi visiter l'ancien village d'Aspremont. Et maintenant, on fait un retour en arrière. Je suis presque arrivé, mais je suis en train de mourir. Ah, je suis clairement en train de mourir là. Ah, un peu d'ombre. Ah, je vais rester là. Je fais la connerie de partir en plein cagnard. Il est 3h30, il doit faire. Enfin, il faisait tout à l'heure 37 degrés au thermomètre de la voiture. Je suis à une centaine de mètres de la cible. Donc, vous avez peut-être assisté à un descente direct. Hop. Ça va être drôle, c'est pour le retour. Je sais pas pourquoi je suis passé par là, bien sûr. Mais bon, c'est toujours à l'explorer. Hop, c'est ça qui est bon. Nous, on aime l'aventure, l'exploration. C'est toujours dans la difficulté. J'aime pas quand c'est trop facile, en fait. Ça doit être ça. En plus, moi, j'ai une souplesse légendaire. C'est ça qui est bon. Oh. Oh, j'ai peur. Faut pas tomber, là. Faut pas tomber. Allons-y presque. Bon, là ça devient trop dangereux les amis, hein. Je vais ranger la cam. Je vais me servir de mes deux mains. Ouais, bien, je pensais tirer d'affaire. Je suis à 20 mètres de la cible. Normalement c'est bon. Je t'avoue que là j'ai eu peur pour ma vie. Ne refais surtout pas ce que j'ai fait. Il existe des sentiers balisés. Bon, j'ai fait leur sentier. J'ai voulu faire le malin, c'était pas cool. Voilà, je suis passé par la rocaille, là, c'était carrément de l'alpinisme, sauf que je suis pas équipé. Bon, bien, je suis vraiment, vraiment bien dans la merde. Faut pas se mentir. J'ai perdu mon smartphone. Donc là, il me reste juste ma cam. Ma cam qui est un smartphone sans puce, situation critique. Donc je vais devoir m'en taper donc le chemin pourri par lequel je suis venu. Donc eh bien voilà, sans smartphone, sans eau. J'ai pas trouvé de chemin potable, enfin du moins de là où je suis. Là, en plus il doit faire plus de 40. Je suis en train de crever là. J'ai calé ma dernière gorgée d'eau. Je l'ai engloutie, donc là j'ai plus de flotte. Je me suis calé à l'ombre. Là c'est pas possible de marcher sous ce cagnard. Et la grosse merde, c'est que ben, au final je voulais pas le faire, mais j'ai pas le choix. Je vais être obligé de repartir par où je suis venu. C'est-à-dire ce foutu chemin rocailleux hyper dangereux. Et moi j'ai vraiment envie de retourner sur ma caisse, surtout que j'ai des réserves d'eau dans le coffre. Et là j'en ai vraiment besoin. Donc je vais tenter le tout pour le tout. On va y aller mollo quand même, hein. On va essayer de rester le plus prudent possible. Et c'est pas gagné. Eh merde! Bon, ben voilà, c'est parti. Faut que j'atteigne cette forêt là-bas, là. Mais il va falloir que je traverse toutes ces merdes, là. Putain, je suis en galère, là. La totale, quoi. Il manquait plus que ça, quoi. Mais bon, faut toujours positiver. Faut dire que rien n'arrive par hasard dans la vie. Ce qui arrive, c'est que ça va arriver. Pourquoi, je sais pas, des fois on a la réponse plus tard. Là, je vais crever avec ce soleil. C'est un truc de ouf. Faut pas que je me casse la gueule. Ah.
Hop là. Le problème c'est que là j'ai vraiment plus rien, j'ai plus de téléphone, donc je peux pas appeler mes proches pour les prévenir. J'ai plus mon GPS. S'il doit y avoir un petit sentier balisé, c'est sûr. Mais bon, moi je suis quand même content, je pense que je suis presque arrivé. Ouais. Je reconnais les rochers là. Hop. Là, là, ça va être la phase la plus dure. Un petit peu d'ombre. Ouais, ça fait du bien. Voilà. C'est là que ça va devenir dangereux. Sur le dernier segment. Oh putain, et ouais. Voilà, ça va être chaud patate. Je sais même pas comment je suis monté d'ailleurs. Comment je suis monté là en fait? Je me rappelle plus. Putain, c'est haut là. Comment je suis monté là? De nous foutre en l'air, on va faire le branleur, puis je vais descendre un peu plus bas, je vais pas me prendre l'arbre dans la gueule, mais j'ai pas le choix. Oh quel con, sérieux. Hop là. Accroche là. Ça fait que c'est mieux en plus. Ça tient, hein. Ouais. Ah putain, j'ai le sac au dos. Le sac va passer. On va t'arriver. Putain, si je me sors de cette situation, les gars. Ah, je vous promets. Je suis en train de cramer là. Je suis en train de cramer. Et c'est pas fini. C'est pas fini, il y a pire encore. Hop. Oh, j'entends le bruit de ma bouteille en plastique dans le sac. Ça me donne soif et je me rappelle qu'il n'y a pas d'eau dedans. Oh, je suis dans la merde là. Donc je crois que c'est en bas là. Voilà, faut que je rejoigne cette forêt. Ah non, c'est bon, je peux passer par là, j'ai eu peur. Je suis à moitié dans la merde, pas totalement. Bon là je pense que je suis sauvé aux trois quarts. Un peu d'ombre. Je reconnais cette partie du chemin. Bon, en tout cas là je suis content. C'est que sur le retour je n'ai pas décédé sur la partie rocheuse. C'est ce qui me faisait peur. Donc là maintenant il me reste une bonne marche. Il y a deux chemins, un là-bas, on va prendre celui-là parce que c'est celui qui descend le plus. J'espère juste pas rater ma caisse. Je suis bien descendu, j'ai failli rouler d'ailleurs. Cette chaleur de fou. J'ai vraiment besoin d'eau là, je crois que c'est vital là. Je n'ai plus d'eau dans mon corps.
Bon, je veux pas dire de conneries, mais je crois que je suis sur le bon chemin. Ouais, c'est bon, je reconnais l'arbre avec la petite table, là, vous voyez là. Je suis parti confiant, plein d'espoir, plein de joie, histoire de filmer cet ancien village. Je repars avec un slip à changer, avec une tache de chocolat dessus. Et un petit peu de soda à l'orange devant. C'est merveilleux. Voilà. Ah, ah, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, voilà. Ah, oh, c'est beau. Ouais, je me suis pissé dessus là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi par contre j'ai vraiment pas kiffé celle-là. Et du coup, je te dis à la prochaine, je suis heureux de te dire à la prochaine, je suis encore en vie. Tchuss.